Et si notre indépendance énergétique résidait dans les déchets agricoles ? Du lisier utilisé pour nous chauffer. Avec retard sur l'Allemagne, la France se tourne vers le biogaz. Cette énergie verte est-elle la solution miracle ? Quelles sont les limites ? Près de Poitiers, Yves Debien cultive 300 hectares. Alors ? Et élève 5500 cochons par an. Désormais, il n'utilise plus le lisier comme ferment pour ses champs. Il le mélange à ses résidus agricoles et à des déchets alimentaires issus des collectivités voisines. Là, ici, on a des restes, des triures d'orge, de blé, de colza, de maïs, etc. Donc, ce qu'on appelle des issues de céréales. Ici, dans nos bidons bleus et verts, ce sont des pizzas avec des sauces forestières, des sauces béchamel, etc. Toutes ces matières sont introduites dans une immense cuve, un digesteur. Chauffée à 40 degrés, privée d'oxygène et associée à des bactéries, elles vont se dégrader. Une dégradation appelée méthanisation qui fournit du chauffage, de l'électricité et des engrais. Coût de l'installation, 2 700 000 euros financés en partie avec l'électricité revendue. Après 10 ans de démarches administratives et 18 mois de fonctionnement, Yves Debien est satisfait. On a une tellement faible rentabilité sur nos métiers de base, que sont la production porcine notamment et nos cultures aujourd'hui, que la diversification de nos activités permet d'avoir une entreprise qui est équilibrée et surtout avec, on fait vivre quand même 7 salariés qui travaillent avec nous et mon associé et moi-même.